El Valle de los Caídos, un cimetière symbole de la guerre civile qui continue de déchirer l'Espagne. Les restes du dictateur Franco reposent ici, comme ceux de près de 34 000 combattants. Parmi eux, le père de Fausto Canales, républicain fusillé en 1936. Sa famille est restée sans aucune nouvelle de sa dépouille pendant 20 ans. J'ai appris que les corps ont été amenés ici, au Valle de los Caídos, en 1959. J'étais en train de finir mes études à Madrid quand mon frère a su par une amie proche qu'ils avaient emporté les restes. Des milliers de corps ont été emmenés puis enterrés ici, sans la permission des proches, peu importe que les soldats soient républicains ou nationalistes. Une situation qui désespère beaucoup de familles. Par exemple, Rosa Gil a lancé une procédure judiciaire pour déterrer les restes de son grand-père, ancien combattant nationaliste. Elle veut pouvoir l'enterrer dignement. En tant que citoyenne, j'aurais simplement aimé remplir un papier dans une administration pour demander l'exhumation du corps de mon grand-père. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu passer par les tribunaux. Ce processus d'exhumation a été entamé en 2000 dans tout le pays. Plus de 8500 dépouilles ont été sorties de terre. Mais les procédures judiciaires sont en cours pour les Espagnols enterrés dans ce cimetière. Ici, tout un travail de mémoire reste à faire. Pour cet anthropologue, il faut utiliser ce mausolée pour mieux expliquer la guerre civile. Je crois que nous devons expliquer El Valle de los Caídos. Nous devons utiliser les nouvelles technologies pour que les visiteurs puissent faire des visites virtuelles du monument, pour comprendre comment il a été construit. D'une certaine manière, ainsi, la mémoire totalitaire resterait figée et la mémoire démocratique continuerait à s'exprimer grâce aux pixels. Un jour classique comme aujourd'hui, des fleurs ornent la tombe de Francisco Franco. Non loin, il y a les corps des victimes de la guerre civile qui ont souvent été déplacés sans la permission de leurs proches. Si l'exhumation de Franco a bien lieu, il faudra trouver quoi faire du monument El Valle de los Caídos. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.